Salut à tous, c'est Isaac, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui ce sera le premier défi sur ma chaîne, donc un défi que j'ai déjà pu faire sur FIFA 15 et FIFA 16. Donc les vidéos sont en privé parce que voilà, avant je faisais pas de vidéos de ouf. Je dis pas que maintenant c'est des trucs de ouf les vidéos que je fais, mais en tout cas à son meilleure qualité. Et en tout cas c'est un concept, un défi pardon, que j'ai voulu reprendre. Mertesacker, la légende. Le défi c'est quoi? Ce n'est pas simplement de jouer avec lui, c'est de marquer tous les buts dans le match avec Mertesacker. Donc si tu veux gagner le match, faut que tu marques des buts avec Mertesacker. J'espère que vous aurez compris le défi. On part tout de suite en match, vous allez comprendre très rapidement. Voilà, je l'ai calé à la place de Chicharito dans mon équipe que j'avais faite pour les qualifs FUT Champions. Et on part tout de suite, on va voir l'équipe qui va nous proposer. Et j'ai relancé Ultimate Team, on a trouvé un adversaire qui n'a pas quitté. Et il a Nolito en pointe avec je ne sais pas qui. Royce, Matuidi, James, Mahrez et Boateng en prêt, avec le deuxième défenseur central bronze également. Hazard en prêt arrière droit et Kevin Trapp au goal. Donc voilà, il y a moyen de gagner. Après, il faut qu'on marque tous les buts avec Mertesacker. C'est ça qui va être un peu plus dur. Mais bon, tout est faisable. Donc on va voir comment ça va se passer. Et on est tout de suite parti pour faire ce défi. Allez, Mertesacker, première action, enroule. Ah ouais, il est vraiment lent. Mertesacker, direct, première action, ça rentre. Allez, Mertesacker, t'es vraiment fort, gros. Ah, il talonne quand même les 2 mètres, hein, et il a 27 de vitesse, je crois, donc c'est vraiment chaud. Donc les gars, ce défi, je vais le proposer à tous les youtubeurs, donc tous ceux qui regarderont la vidéo et qui seront chauds pour le faire, qui trouvent que c'est assez marrant quand même, c'est un défi assez marrant. Voilà, même vous, si vous voulez le faire, n'hésitez pas à le faire, vous m'enverrez les screens sur Twitter ou quoi, c'est le meilleur. T'as pas la vitesse, mais t'as le gabarit, allez. Ah ouais, mais même les passes, c'est pas ça. Frappe. Ouh là là, heureusement qu'il a taclé, parce que sinon, je pense qu'à part, t'es bien. Allez, tu pars tout seul. Tout seul. T'as vu Mertesacker en retrait, tu contrôles. Tu frappes, et ouais. Bon les gars, je vais pas mettre des buts de ouf avec Mertesacker, des frappes croisées, des enroulées ou quoi. Parce que voilà, Mertesacker, faut être dans la surface, tu canardes. Et voilà, faut que ça rentre, parce que autrement, je vois pas comment je pourrais marquer. Grosse frappe, Trapp il a vu flou. Trapp il a vu flou. Il voit flou sur les frappes de Mertesacker, il voit flou. Oula Mertesacker, il fait un appel dans la profondeur. Je te jure, même Boateng il le rattrape. Oh là là, Boateng, mais qu'est-ce qu'il est bancal. Il tombe face à Mertesacker quand même. Mertesacker là par contre t'abuses. Je t'ai dit d'enrouler, t'aurais pu enrouler du pied gauche. Non, toi t'as enroulé du pied droit. Si vous avez d'autres défis à me proposer dans les commentaires, n'hésitez pas à me les mettre, à me les poser. Bon les gars, mettez des défis quand même assez raisonnables, hein, qui sont faisables, pas des défis de ouf. Donc voilà, je compte sur vous pour me mettre quelques petits défis dans les commentaires. Eh ouais, le mec il a une occasion, je sais pas pourquoi, il y avait un énorme trou dans la défense. Et on a profité, hop, petit enroulé avec Marco Reus. Et voilà. Bon, c'est la mi-temps. Hop là, 6 tirs, 5 cadrés. 3 tirs de cadré. Position équilibrée. Donc bon, voilà. On domine un petit peu. Mais voilà. Nous, on a quand même ce défi à faire de marquer seulement avec Mertesacker. Mais Royce, il est tout le temps tout seul. C'est incroyable. Oula, bien joué, gardien. Bien joué. Bon, Mertesacker, ça se voit vraiment que c'est un défenseur central, parce que niveau appel, contrôle de balle, etc., c'est pas vraiment ça. Donc pour ceux qui disent « Ouais, mais c'est facile, t'as juste à lui donner la balle, nani, nana... » Ouais, bon, 27 de vitesse, déjà, va courir avec lui. Ensuite, ses stats de contrôle, de voilà, de finition, etc., c'est pas ça. Contrôle de balle, voilà. La technicité, voilà. Donc ça fait beaucoup, hein, après, hein, t'additionnes tout ça, ça fait quand même beaucoup pour un joueur. Et Mertesacker qui marque, voilà. Quand on parle du loup, oh, petite frappe pied gauche, je sais même pas s'il est gaucher ou droitier. Voilà, je sais pas du tout. Hop, petite frappe pied gauche, frappe croisée. Et voilà, ça rentre, ça fait 2-1. Donc maintenant, on va quand même penser à défendre pour réaliser ce défi. Voilà, on a marqué 2 buts avec lui, si on en marque un 3ème, voire un 4ème avec lui, franchement... Ça montrerait qu'on a bien réussi le défi. Guerrero, toujours une masse, un défenseur gauche vraiment splendide. Il est vraiment fort. Pour une carte hors noir, franchement, c'est waouh.
La première fois que j'ai joué avec, je l'ai plus lâché. Donc voilà. On va voir ce que ça donne. Oh là 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 là. C'est du n'importe quoi, c'est du n'importe quoi. Oh là 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 là, la feuille rentrée là. Mais bon, Farman, il était quand même sur la trajectoire, donc bon. Bon, maintenant, on sait qu'il est droitier, donc je vais plus essayer de frapper du pied droit avec lui. Je pense qu'il aura une meilleure précision, une meilleure finition. Oula, il est parti. Mertesacker, on t'a vu. Tu m'as juste ça enroulé et c'est le 3-1, le triplé pour Mertesacker. On va pas se mentir, le mec en face, franchement, il avait pas une équipe de ouf, il avait pas de collectif. Donc bon, il avait des bonnes individualités, mais niveau collectif, c'était pas ça. Bon, voilà, c'est un peu normal que je lui mette ce score là. Bon, après, j'allais pas aller en saison non plus. Voilà, niquer un match pour. Oh là là, pour faire ce défi. Parce que je pense pas qu'en saison je serais tombé contre un mec comme ça. Oh là là, la frappe de Mertesacker a parté en pleine lucarne. Donc voilà, les gars, c'est la fin du match. On va tout de suite aller voir les stats, même si c'est pas forcément important. On va voir la note. Voilà, Mertesacker, meilleur homme du match. 9,6 de note. Donc voilà, on n'est pas tombé non plus contre une équipe coriace. C'est le seul truc que vous pouvez me reprocher, qu'il n'y avait pas une équipe de malade en face. Mais ça, c'est pas ma faute. Voilà, j'ai eu de la chance, je suis tombé contre lui. J'ai réussi le défi. Maintenant, c'est à toi de jouer. Je te propose ce défi. À toi d'accepter ou non ce défi. Tu fais ce que tu veux, si t'as envie de le faire, tu le fais pour t'amuser, si t'as pas envie, tant pis. Si la vidéo t'a plu, si le défi t'a plu, n'hésite pas à liker, à commenter, à partager la vidéo et à t'abonner si c'est pas déjà fait. Sur ce, je te dis, c'était tes axes, à la prochaine, ciao.